De French Big Ballers pour parler de l'actualité, vacances qu'on mais un nouveau format avec pour objectif de retracer la grande histoire des Lakers au travers des petites. Les fans des Lakers ont le privilège de supporter une franchise au passé rigissime et glorieux. On avait commencé à évoquer celui-ci par écrit dans une autre fille sur des passeports pour les premiers abonnés qui, qui étaient là au début de l'aventure, mais cette courte expérience sera tuée dans l'œuf par notre habituelle flemme la volonté à persister, renforcée, il faut se le dire, par cette horrible saison 2021-2022 qu'on s'est infligée. Et donc il a donc temps de se remettre à l'eau. Ce podcast à thème, totalement inédit en somme, et clairement pas du tout calqué sur Winston et ses chroniques de Motor City, sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir ou revivre des moments plus ou moins clés des Lakers ou d'évoquer les hommes qui ont participé à son histoire. Contrairement à ce que certains peuvent penser, mes collègues et moi n'avons aucunement la prétention de détenir la science infuse et une maîtrise chirurgicale du présent et surtout du passé. De ce fait, n'hésitez pas à apporter des corrections, des précisions en commentaire, suggérer des thèmes ou des moments que vous souhaiteriez voir mis en lumière. Pour cet opus numéro 1, quoi de mieux que d'évoquer les débuts historiques et l'émergence des Los Angeles Lakers Pour cela, retour à la fin des années 50. L'histoire du sport américain de ces ligues fermées est marquée par les nombreuses délocalisations de franchises parfois bien ancrées dans le paysage. Rares sont celles qui peuvent se vanter de n'être la vitrine que d'une seule et unique ville, et les plus mythiques ont ainsi connu plusieurs vies. Les Dodgers, en MLB, les Rams, les Raiders ou les Chargers, en NFL, ou encore les Supersonics de Seattle, relocalisés dans l'Oklahoma. Les Lakers ont aussi vécu un premier mariage. Mais ça, ça sera l'occasion d'un autre podcast. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la fin de Après des premières années couronnées de succès, les Lakers de Minneapolis peinent à se maintenir parmi les grosses écuries de la Ligue suite à la retraite de George Mikan, et finissent par plonger vers le front de celle-ci lorsque Jim Pollard l'imite en 1955. Si sportivement l'équipe est à la traîne, c'est surtout les finances qui menacent la franchise des Twin Cities. Le contexte est alarmant. Les Lakers ne parviennent pas à s'installer comme l'étendard du sport et même du basket dans l'État. Malgré les succès passés, l'Université de Minnesota a les faveurs du public qui délaisse la franchise de NBA. Délaissée par les fans, la franchise n'est pas plus aimée par les instances locales, avec pour preuve l'instabilité et à leur salle pour accueillir des matchs. Si le Minneapolis Auditorium est désigné comme la salle à titre aux Lakers, ces derniers n'en ont pas l'exclusivité, et la partagent avec d'autres équipes sportives ou d'autres événements. Si bien que les Lakers jouent régulièrement dans d'autres salles de Minneapolis et ses environs comme la Downtown Minneapolis Armory. Maurice Chalfen et Ben Berger, les propriétaires de l'époque, se rendent à l'évidence en 1957. Il faut vendre. Au centre des rumeurs de délocalisation depuis plusieurs années, Berger et Chalfen écoutent attentivement l'offre de Marty Marion, businessman désireux de relocaliser la franchise à Kansas City, dans le Missouri. Berger donne une dernière chance aux entrepreneurs locaux de remporter la mise en s'alignant sur le montant de l'offre, les actuels propriétaires souhaitant que les Lakers restent dans le Minnesota. Plus de 100 sollicitations sont envoyées et parmi elles, un groupe mené par Robert Short, un avocat local et responsable d'une entreprise de transport routier, la Admiral Transit. Short n'est pas vraiment un fanatique de basket. A vrai dire, selon Sid Atman, l'ancien dirigeant des Lakers et journaliste local, Short souhaitait acquérir une équipe de Ligue majeure, quel que soit le sport. Sans franchise à vendre en foot US ou en baseball, Short s'est tourné vers le basket en voyant l'annonce de Ben Badger. Pour 150 000 dollars, soit 10 fois plus que le prix initial de la franchise, Bob Short, Frank Ryan et 30 autres investisseurs deviennent les propriétaires d'une boutique instable. À peine en place, Short, nommé président, et ses compères injectent 50 000 dollars dans la franchise pour l'aider à remonter la pente. Le montant est utilisé en deux semaines. Combien Les résultats sont toujours faibles et l'affluence médiocre. Short continue de mettre de sa poche afin que les lecteurs survivent, tout en réfléchissant à ses options pour le sauver. Les choix sportifs se retrouvent dictés par les mauvaises finances et la franchise ne cesse de s'enfoncer dans une spirale négative. Les Lakers doivent à présent s'acquitter de 40 000 dollars d'amende et de frais de justice et les autres investisseurs ne souhaitant plus s'aligner, Bob Short profite de l'occasion pour acheter des parts supplémentaires initialement non distribuées pour ce montant. Les deux compères, Short et Ryan, vont lentement phagocyter le portefeuille de leur associé au point de récupérer l'exclusivité de la franchise pour 500 000 dollars, enterrant au passage la plainte des 30 propriétaires concernant le précédent mouvement financier. Après deux nouvelles saisons avec un bilan négatif, Permettant au passage de trafler Elgin Baylor en 1 et après l'avoir convaincu de signer contre un chèque de 22 000 dollars, Bob Short avance ses pions pour un déménagement. D'autant plus que sont annoncées les arrivées prochaines d'une franchise de NFL, les Vikings, et une franchise de MLB, les Twins. Le regard des propriétaires se pose sur la cité des anges. Loin d'être un hasard, Los Angeles est depuis 1958 la terre d'accueil des Dodgers, célèbre équipe de baseball originaire de Brooklyn. Short et Ryan ont un plan. A l'époque, les franchises NBA ont l'habitude de régulièrement se rencontrer en terrain neutre. Après avoir joué deux matchs à San Francisco en 1959, Bob Short prévoit à nouveau des dates dans la cité californienne, tout en rajoutant Los Angeles au programme. Les Lakers s'y affronteront les Warriors de Philadelphie, de Will Chamberlain, avant d'accueillir un peu plus tard les Hawks de Saint-Louis par deux fois à la Los Angeles Memorial Sports Arena. Habitués à un stade plus qu'à moitié vide, les Lakers tourneront à peine à peu plus de 4000 spectateurs de moyenne sur cette saison 1959-1960. Short est impressionné de voir 10 200 de personnes s'amasser pour voir Elgin et Wilt s'affronter. Ce 1er février 1960, les Lakers perdent la rencontre sur le score de 103 à 96 malgré les 36 points et 19 rebonds de leur Allier star Mais l'important est ailleurs et l'idée de voir sa franchise déménager sur la côte ouest n'en sort que renforcée. La Californie semblant être l'endroit idéal, comme l'affirme Frank Ryan à la presse. Les deux hommes tiennent toutefois à ménager leur monture, en promettant de rester à Minneapolis si 3000 abonnements étaient vendus. Les rencontres face à Saint Louis et à Los Angeles rassemblent environ 8300 spectateurs en cumulé. Mais la décision est prise et Short le dit ouvertement. Los Angeles sera la prochaine maison des Lakers si la Ligue l'y autorise. Pour cela, l'homme d'affaires a besoin de l'aval des autres propriétaires et la tendance est claire en ce 27 avril 1960. Non. Les autres franchises voient d'un mauvais oeil le désir de ruer vers l'ouest des Lakers. D'un point de vue logistique, les changements seraient énormes alors que Saint Louis paraît à l'époque comme le bout du monde pour eux. Notre ami Robert a beau argumenter sur les difficultés financières auxquelles les lecteurs sont confrontés, rien n'y fait. On doit bouger. Si ce n'est pas le cas, on mourra à Minneapolis. Ce à quoi Ben Kerner, propriétaire des Hawks, répondit avec empathie, alors qu'il en soit ainsi. Sept bonnes contre, un seul pour, celui de Short. Mais un homme va involontairement appuyer le projet de Short, et cet homme, c'est Abe Saperstein. Abe Saperstein homme d'affaires et propriétaire des Harlem Globetrotters, souhaite depuis un certain temps acquérir une franchise NBA localisée à Los Angeles, objectif qu'il estime être une juste récompense pour sa contribution à la popularisation du basket. La NBA lui a promis, mais tarde à franchir le pas. Le jour de cette réunion, il pose un ultimatum. Si sa demande venait à être une nouvelle fois refusée par l'instance, il créera une ligue concurrente, l'American Basketball League, et y placera une franchise à Los Angeles. Jugée jusqu'alors incohérente, la rue est vers l'ouest s'annonce maintenant nécessaire pour l'NBA afin de s'établir définitivement comme la ligue dominante, tuant dans l'œuvre sa future concurrente. Lors du deuxième vote, tenu plus tard le même jour, le score est sans appel, huit voix pour, zéro contre. Les liqueurs sont autorisés à déménager à la condition de proposer un calendrier cohérent et de prendre en charge les frais de déplacement des cette autres franchises. Cela va nous ruiner, se lamente Bob Short à Frank Ryan, contraint d'accepter. Ce à quoi de son acolyte lui répondra mais on est déjà ruiné. <laughs> si l'on a un temps pensé à renommer l'équipe les Oceanus, c'est avec le même nom, témoin d'un glorieux passé, qu'Elgin Baylor et ses coéquipiers débarquent en Californie. Bob Short, lui, il reste à Minneapolis et laisse un sbire gérer les bases besognes. Après 15 000 dollars balancés dans le vent par ce partenaire, Short et Frank Ryan engagent Lumos au poste de General Manager pour les sportifs et le business. Si la franchise a déménagé pour vivre, les finances ne restent pas moins la préoccupation principale du propriétaire, qui donne trois consignes à l'OMOS. ah oh, shit, here we go again. Ne pas faire de vagues, lui rendre l'argent s'il venait à trouver rien à en avoir, et, dans le cas où les Lakers auraient besoin d'argent, d'oublier d'où il vient et se débrouiller. Les premiers temps sont durs et les économies se font à tout niveau. Lou achète le mobilier pour son bureau et les ballons sur ses propres deniers. Sa femme Alice nettoie les maillots des joueurs et ses enfants comptent les tickets. Sur le terrain. Cela va mieux sous les ordres de Fred Shouse. Avec le rookie répondant au doux nom de Jerry West, les Lakers vont lentement s'acclimater à la Californie et inversement. Après une saison 1960-61 en négatif, avec une affluence moyenne de 5045 spectateurs suffisante pour préserver les finances, les Lakers vont peu à peu s'imposer comme l'une des places fortes de la Ligue, allant quatre fois en finale en cinq ans, devant une foule de plus en plus nombreuse de fans et de célébrités. Ils seront 10 316 spectateurs de moyenne pour la saison 1964-65. Le Paris. Et Russie. Les Lakers peuvent enfin affronter l'avenir avec sérénité dans cette Los Angeles Memorial Sports Arena, acquise à leur cause, tentant d'enrayer l'hégémonie des Celtics et glaner le titre tant attendu. C'est pourtant dans un autre stade et sous d'autres propriétaires que les plus belles pages s'écriront. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous pour votre écoute de ce premier numéro de L'Anecdote. Comme proposé en préambule, n'hésitez pas à nous notifier des axes d'amélioration. Notamment le montage, ça j'en doute pas. Euh, des corrections sur le sujet ou d'autres thèmes à évoquer dans les prochains numéros. D'ici là, on se retrouve pour un numéro de Friends People. Colors. A bientôt. <music>